J'espère qu'ils nous entendent pas là. Mais moi j'entends beaucoup la musique, tu sais. Excuse-moi. Ouais, c'est pas grave. C'est quoi cette musique? C'est vrai que c'est rapproche-toi bien de ton micro. Ah ouais? Ouais, oh, vraiment. Mais ça va popper, hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça pop. C'est pas grave. Non, mais mets-toi bien, voilà, voilà, histoire de que je t'entende. Ok, ok, ok. Histoire qu'on soit en mode... Bonsoir, c'est Gilles Noël. Bonsoir, bonsoir. Bon, ce soir, nous revenons sur le parcours de Kamak. Mets-toi en mode, je répare la bagnole. Ok. Pourquoi tu me fais faire des choses comme ça? Tu veux que je la répare vraiment? Non, 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 tu te mets juste à coucher. C'est bon, c'est bon. Allez, ah, c'est bon. Ça répare. Merde, oh, bah, y a pas d'animation. Bon Félix, Félix, t'as réparé la voiture? C'est en train là, attends. Je mets un petit coup de... petit coup de bistouri là. Répare la voiture là. Voilà, alors mets le petit coup de bistouri, répare la voiture. Et puis, va falloir que je t'annonce une mauvaise nouvelle, Félix. Attends, je vérifie mon téléphone, attends. Oui? Ouais, bon, Félix. Oui, de quoi tu parles? Alors Félix, tu le prends pas mal, c'est pas personnel, oui. Ça a rien à voir avec toi. Range ton arme, s'il te plaît. Juste, j'ai pas envie que tu me tues. Mais pourquoi tu veux que... Mais t'es mon cousin, pourquoi je te ferais du mal? Oui, je sais. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ok, ok, je range mon arme, mais à marge, j'aime pas trop ces histoires. Non, mais t'inquiète pas. C'est juste, voilà, c'est une question de sécurité pour ma vie. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, Félix, écoute-moi. Oui. Écoute-moi bien. Je t'écoute. La lampe magique. Tu sais, la lampe magique. Oui. La lampe d'Aladin. Oui, ça fait 30 fois. Oui. Oui. Qu'est-ce que quoi? Je crois que Aladin, il s'est foutu de notre gueule. Je crois que la lampe magique, elle n'existe pas, Félix. Quoi? Oui, je suis désolé. Après tout ce que tu m'as raconté. Ouais, c'est mais je suis là, la lampe, c'est de la connerie. Oui, la lampe. Oui, non. Mais non. Pourquoi tu... Ah si, je crois. Je suis désolé, là, je crois que c'est vraiment de la connerie. Y a pas de lampe. Ce que je te propose. Oui. Non. En fait, je pense qu'elle n'existe pas. Donc je te propose un truc. Oui. Alors attends. On va aller. Oui. Y a un problème. Je t'entends deux fois dans mon oreillette. T'as pas coupé le téléphone. Mais bon, c'est un peu gênant là. Ça commence à me faire tourner la tête. Alors, je coupe le téléphone après. Ok. Si tu veux bien. Ok. Alors, vas-y, tu me proposes quoi, là? Parce que là, je tombe dans mon nuage, là. Oui. Alors, j'y t'y propose. On trouve Aladin et on lui fait payer ce mensonge. D'accord. Ah, c'est une bonne idée, ça. On trouve Aladin, on lui fait regretter de nous avoir menti sur la lampe. Voilà. Je suis là, on trouve Aladin, on le défonce. C'est ça, On lui crève les yeux avec des petits cailloux comme t'aimes le faire. Oui. Et puis on lui fait tout. On lui fait une hémorragie oculaire avec un petit caillou, un petit silex. C'est ça. Ok. C'est ça, exactement. Et par contre, cousin, jamais je te ferai du mal. Pourquoi tu... J'ai eu peur. Me fends le cœur là. Tu me fais de la peine là, Marc. Des fois, j'ai un petit... Moi, j'ai envie d'aller me coucher là, dans la tente. C'est décevant. Viens. Aïe, je me suis brûlé le cul. Et je suis déçu, Amar. Oui. Franchement. Reviens. T'as cru que j'allais taper mon cousin? Eh oui, je me suis dit, on sait jamais. Tu vois, tu m'as tapé déjà des fois, comme ça. Mais non. Un petit coup d'énervement. Non. Allez. Par contre, franchement, tu m'as manqué de respect, hein.
Mais tu m'as manqué de respect là, je te taperai jamais moi. Allez, c'est bon. Putain, Marc, tu déconnes. On va trouver Aladdin, on va lui faire un deuxième. Deuxième. Bon, je vais rester poli, mais on va lui faire un deuxième. Tu m'as compris. Putain. Tu m'as tapé là. Oui. Tu m'as tapé. Mais oui. Mais oui, mais parce que. Alors. Tu m'as pas fait confiance. Bah voilà, la prochaine fois, tu fais confiance à Félix. Ouais, d'accord. Allez, vas-y. Tu nous conduis. Ok. J'ai lu Félix et Emma. What le mec, 3 millions pour nous capturer vivant. 3 millions vivant. Comment c'est ah. Comment c'est? Non, je suis pas d'accord. On va peut-être revoir les plans là. Mais c'est ça, parce que là on avait des trucs prévus. C'est compliqué là. Oh putain, va falloir brainstorm là. Attends, je fais un truc. Ouais, fais un truc cool. Là j'ai le TF4. Alt F4? Ah bah je découvre le jeu, comme ça on se fait pas attraper quoi. On reste à l'affût par contre. Ouais. Aïe. Oh merde, en mode tortue. Okay. Oh. Je descends ou pas? Ça a l'air de passer. Tu peux essayer. Attends, tu veux que je la retourne avant? Non, c'est okay, bon, ça passe. Bon, je suis descendu, vas-y. Bon, je la retourne avant de la rester. Anneuse! T'es un vivant ou pas? Non! Non. Les dieux du Takistan nous ont quittés ce soir! Ah merde! C'est officiel! Oui, là, tu peux pas. En plus, je sors de la voiture, j'ai fait un saut déjà, je me suis dit putain, je suis pas mort! C'est oui, cool! C'est pour ça j'ai hésité. Oh, y'a pas de sac à dos? Ah si, ça fait peur. Ça passe, mais putain, là, je suis pas serein! Ouais. Non, ça se pose, okay. C'est posé! Oh, merde! Garage! UAZ! Allez! C'est posé! C'est parti! Ça a posé des dégâts, tu crois? Ah, ça a posé des dégâts. Ça suit là. Ça nous suit, ça nous spot, hein. Ah, ça spot. Ça nous spot. L'hélico est sur nous, complet. Hein. Ah, ouais. Oh, la vache. Bon, elle plante. Ok. Ah, vas-y, on sort, on tire. Oh, il est pas bien! Il est pas bien! Il est pas bien! Il a plus de rotor! Allez, écrase-toi! Il va arriver à se poser! Bim! Allez, suivant! Et deux! On touche pas à l'Empire Betkassem Bokasha, qu'est-ce que tu fais là? Oui, bonsoir. Alors, du coup, on est attendu, je crois. Oui, on est. C'est Garden Party. On est invité par le président à boire le thé. Ok. On va aller. Alors, vous allez nous suivre. J'ai la main partie. Attendez, on va vos foyers avant, hein. Je mets les mains sur la tête. Je suis coopératif. Ça, voilà, c'est bien. C'est bien, vous coopérez, hein, c'est bien. Bonsoir. Merci. Voilà, j'ai mon commandant. Bonsoir, monsieur. Veuillez entrer, le président va vous recevoir. Hein. Bonjour à vous deux. D'accord. Bonsoir. Comme je suis content de vous voir ici. Je ne gâche pas mon plaisir. Je me tais. Je vais descendre vous faire un petit coucou alors, hein. Oh, ça va, il a l'air bien luné, hein. C'est monsieur Youssouf, président. Enchanté. C'est cela, ouais. En plus, c'est pas des vêtements. Attends, je vais te faire un petit bisou, mon ami. Alors, voici. Je pense que... Ça sent la merde. Fouteur de merde. De la semaine dernière, oh, des bonnes gueules. Oui, monsieur, enchanté. Un nègre vient de risser, une bonne chose. Ah, je suis content, salam. Oh, l'amène, là. Monsieur. C'est bien, ça. Ouais, monsieur Youssouf. Monsieur Président. D'accord. Monsieur Président. Oui. J'ai l'impression, monsieur Président, que vous m'avez appelé nègre. Je me demande si c'est un... C'est pas très poli de votre part, salam, de m'appeler comme ça, hein. Ah, là, il appelle comme ça quand il a pas pris de café. Oui, parce que moi, je l'ai suffisamment entendu dans ma vie, ce mot, hein. Et c'est pas venant d'un sale arabe que je vais me faire traiter de nègre. Hein? Pardon, président. Pardon, je suis là, président. Pardon. Calmez-vous, président. Pardon. Venez ici. Tant pis, j'entends un véhicule. Allez, les invités en premier, messieurs. Ah bah là, on va être bien là. Je suis là, comme c'est beau ici. Je me permets, je m'assois. Je suis fatigué, on a fait une longue route. Hein. Oui, permettez-moi aussi de m'asseoir, président Youssouf. On a fait des victimes dans l'armée.
Ama? Tu te souviens de ça? Alors, ça devait être des victimes collatérales parce que je m'en souviens pas. Vous n'avez jamais levé le doigt? Vous n'avez jamais levé la main sur des gens de l'armée du Takistan, nous, hein? Vous me laissez pas terminer ma phrase. Oui. Mon cher ami noir. Oui. Vous avez aussi agressé des civils. Et ça, ça c'est très grave au Takistan. C'est très très grave. Les civils sont sous ma protection. Ils ont voté. Enfin, ils ont voté. Bah, tout est une question de point de vue. Mais en tout cas, ils m'ont élu pour président. Est-ce qu'on peut, ah, est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? Parce que là, nous voudrait simplement ne pas mourir sous les coups de l'armée, comme on l'entend actuellement. Hein. Donc, du coup, qu'est-ce qui vous fera du plaisir? Des plaisirs, hein? Une petite chanson à mon honneur. Ça me ferait du bien. Bon, Amar, j'ai fait la première phrase, tu fais la deuxième, hein? Il faut que tu fasses bien, hein. On va essayer. Sinon le président, il... On va essayer, faut faire plaisir au monsieur Youssouf, hein. D'accord. Ouais, allez, on va ça va être dur. Pas non plus, hein. Allez, on fait ce qu'on peut, monsieur le président. Là. Petit Youssouf. Petit Youssouf. Non, ça commence mal. Non. Petit Youssouf, là, tu ah, mon grand Youssouf, pardon. Je suis là. Pardon. Il faut. Alors, moi, j'ai fait grand Youssouf, et tu es grand. Ok. Le grand Youssouf. Moi, je fais la suite. Oui. Le grand Youssouf. Tu es à toi. Et là. Ah non, c'est toi ou c'est moi? Non, il a quelque chose, le grand Youssouf. C'est moi qui fais le grand Youssouf. Juste ouais, là, j'ai fait le Youssouf. Toi, tu improvises. Ah, d'accord. Okay. Attends. T'es le grand Youssouf. Le grand Youssouf. Si tu le regardes mal, le grand Youssouf, tu vas faire mouche. Tu vas faire mouche. Tu vas faire mouche. Bon voilà, on peut pas faire beaucoup mieux, hein, c'est difficile, hein, monsieur Grand Youssouf, président. Ah, bravo, monsieur. J'ai une proposition pour vous, monsieur Youssouf. Écoute, Grand Youssouf, la proposition de Félix. Je me dis, je suis conscient que mon cousin, Amar, ici présent, et moi, Félix Bokassa, on a fait un peu des conneries sur le Takistan, et on s'en veut... Parce qu'on n'est pas venu pour mettre le bordel, on est venu en touriste, on est venu parce qu'on était curieux, et on était venu parce qu'on a entendu qu'il y avait une lampe. Après, il s'avère qu'il n'y a pas de lampe, on fait toute confiance en vous, grand Youssouf, il n'y a pas de lampe, on est d'accord, il n'y a pas de lampe. Et je vous propose, pour nous racheter de toutes les conneries et des 3 millions d'amendes qu'il y a sur notre tête, de travailler pour vous. Pour l'armée du Takistan, gratuitement, tous nos salaires seront reversés jusqu'à rembourser les 3 millions que nous devons à l'État du Takistan. Est-ce que cette proposition vous irait? Pardon? Oula, j'entends. Un peu, vous bégayez, monsieur le président. C'est ça. J'ai compris. Moi, je parle le bégay. Tu bégayes numéro 2, le bégayorigny. Ouais, c'est ça. Le bégay, oui. Le bégay. Ouais, c'est ça. Des travaux d'intérêt généraux. Et puis, du coup, on vous donne des informations très intéressantes sur des gens qui font des choses pas très très jolies et vont les attraper. Donc, ah bon bien, les justiciers Amar Asselek. Tu veux pas faire ça au sein même de l'armée du Takistan, Félix? Ah bah si, si on peut, mais alors là du coup Oui. Moi c'est une proposition, simplement que notre salaire sera reversé à l'État, ça ira plus vite pour rembourser notre dette. Qu'en pensez-vous, président? Ça vous semble prématuré? Mais ça me paraît un peu... C'est vous qui décidez. Ils ont des couilles, hein. Non, ils ont des couilles. Ils ont des belles couilles. Cher, tout le noir. Ça se voit à travers la tête là-bas. Oui, j'apprécierais que vous me qualifiez autrement que par ma couleur de peau, président. Voilà. Oui, président, calmez-vous. Si je peux. Alors, comment je t'appelle? Félix, monsieur ou monsieur Bokassa. Félix. Ah, Félix, hein. Bah,
Félix, ça me convient bien, j'aime bien Félix. Je suis honoré, président, que vous m'appeliez par mon prénom, je suis honoré. Ah, la France. Oh, ben la chanson était très belle, tu le mérites. On devrait même t'appeler l'artiste. Moi, je pense que je vais t'appeler l'artiste. Félix. Ça me va, l'artiste Bokassa. Artiste Bokassa. Félix, l'artiste. Du cachet. Ben, écoutez, messieurs, l'offre me paraît raisonnable. En tout cas, très bien tournée. J'aime les hommes qui font de belles phrases. Vous voyez, moi, j'aime bien les belles phrases et ces conneries, là. C'est qu'on me fait une belle phrase, oh, d'un coup, c'est pas des conneries, c'est le respect de la langue, monsieur. Grand Youssouf, je vous remercie de votre indulgence et d'avoir écouté nos requêtes. J'y vais, toi de suite. Je vous remercie, bon citoyen. Je suis content de vous voir vous repentir. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est normal. Très bien, on se tient au contact. Allez, au revoir, Grand Youssouf. A bientôt. Je vous passe le salam, comme disent les gens. Checkpoint de l'armée, camp rebelle, champ de pavot. Bon, on va descendre au sud, hein, parce que là, on a fait ouais, la coque. Ouais, descend. Oh, sud. J'entends un hélicoptère, attends. Oh! Putain, range les véhicules. Range les armes. Dans le véhicule? Ouais. Ok. Je peux pas. On peut? Si, ok. Si, putain, j'ai de la marijuana sur moi. C'est pas grave, c'est à même. Oh, utilisez, je la fume. Allez, fume. Je suis trop stone. Fume. Je vais faire la voiture. Hop là. On s'éloigne de la voiture, hein, comme ça ils auront moins de raison de la fouiller. Ouais, mais t'as laissé le moteur. Merde, c'est pas grave. Putain, je suis complètement stone, mec. Tu vois double. Je suis complètement stone. Ah putain. Oh là, attends, c'est des flics, ouais. Ouais, c'est des flics. Allez, je me suis fait menotter direct. What? Ils nous ont baïonné. Ah bon? Ok, notre véhicule, nos armes. On a tout perdu, était défoncé en plus. Putain. Attends, mais c'est pas Youssouf? Allez, embarquez-moi, c'est beau Youssouf. Rien là. Bah... On a un baillon là, on peut rien dire. T'as plus la merde. Mais ouais. Non, ils vont nous mettre l'habit et tout là. Je le sens. C'est la promotion là. C'est la promotion. Mais oui. Les mecs, comment ils nous ont kidnappés. Mais grave. Non mais Youssouf, il manque des connexions neuronales. Hein. Ah non. C'est un bordel. C'est n'importe quoi ce président. Oh là là. Oh là là, ils mettent près d'un mur, mec. Non. Qu'est-ce qu'on fait? T'as pas besoin d'être tremblé, hein. Bichez-le. Qu'est-ce qu'on fait? Bichez-le. Putain. Bichez-le. Ça sent le massacre. Je comprends pas les Congolais, moi. Bichez-le. Qu'est-ce qu'on fait? Ça sent le massacre. Bichez-le. Bon. J'étais plein d'espoir pour vous, messieurs. Mais du coup. C'est un moment où on vient vous chercher. Vous êtes dans des petits champs de pavots. Oui, mais non, oui, mais non, coco. Moi, c'est messieurs. Oui, mais non, monsieur. On va procéder directement. Faites-nous une belle ligne. Quoi? Ils vont pas nous laisser le temps de s'expliquer. Mais oui. Crie. Messieurs. Mais non, pas de suite. Mon commandant, oui. Elle est con, quoi. Vous êtes je retire mon bagnon. Voilà, hop. Attendez. Du schlag, qu'est-ce que vous faites? Du schlag. Venez là, c'est un malentendu, faut calmez-vous. Mais bien sûr. On était pas en train de faire des armes. On était en train de. Non, s'il vous plaît, président, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, président, s'il vous plaît, arrêtez. Président, on a attrapé. Non, président. Président, déconne pas, président. Déconne pas. On a attrapé les trafiquants. On travaillait pour vous. Allez, monsieur.
J'ai fait de ma culotte. Une petite blague, monsieur. Mais tu fais caca dessus, du chien. Du Takistan. Donnez-moi du PQ, du chien. Eh ah ouais, c'est comme ça qu'on accueille les bleubites. Hein. Les cons. Bordel alors. Ah mais ça avait été un bleubite. Ah merde, je suis pas bien, maman. Un bleubite comme l'eau, lui. Mon pantalon. Mon pantalon. Vous voulez aller dans les douches? J'ai le pantalon mouillé. J'ai le pantalon mouillé. Allez, va dans... Attends, va dans les douches, tu vas pouvoir t'y changer. Ouais, viens voir moi. Je vais aller dans la douche là maintenant. Détachez-moi. Du chien à maman. Je me sens pas bien. J'ai cru que j'allais mourir, maman. Bien. Poussez-vous. Poussez-toi. Poussez-toi. Tu te pousses. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi passer. Allez, là. Allez, vous lavez dans les WC là. Je suis là. Je suis là. J'ai vu ma femme et mes enfants passer devant mes yeux deux fois. Oui. Moi j'ai vu moi. Ah la douche. Je suis là, mets-toi tout nu. Ouais. Ah ouais, je prends la douche. Allez, ouh. C'est un plaisir de vous accueillir parmi nous. C'est un honneur de vous rejoindre. Merci, grand Youssouf. Oh, que tu prends, grand Youssouf, on te servira jusqu'à la mort.